Salut les enfants! Bonjour! C'est notre chat! Enchantée! Je fais la blague à peu près tous les 6 mois, hein. J'espère que vous êtes habitués. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas retrouvé Akilou sur la chaîne et là aujourd'hui on vous double le bonheur. C'est ça, on va faire genre il y a quelques jours qui se sont passés, voilà, on va se changer machin. Exactement. Mais sachez qu'entre la box et la vidéo que vous êtes en train de regarder, il y a 5 minutes. 5 minutes. 1 heure, 5 minutes. Ouais. Donc le programme aujourd'hui vous l'avez vu les enfants, j'espère que quand même vous êtes contents. On s'est enfin décidé, c'est les produits thermiques. J'ai un peu peur à qui. Sacré produit terminé. Parce que déjà, moi solo, ça prend une demi-heure. Et là, bah. J'ai pas grand chose par contre. Ah, quand même, sur, Akilou, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Franchement, t'as bien joué le jeu. Donc, il y a quoi? Il y a 6 mois qui se sont écoulés depuis qu'on a dit qu'on allait faire cette vidéo. J'ai dit à Akilou quand même, on va essayer de trier par catégorie de produits pour essayer d'avoir du rythme quand même, d'avancer un petit peu plus vite. Parce que sinon, le temps de chercher et tout, voilà. Au moins, on reste vraiment sur des groupes, voilà, faisons ça comme ça. C'est une grande première pour toi. Exactement. Donc l'idée c'est que tu nous racontes ce que tu en penses. Est-ce que c'est un produit que tu as chez toi depuis Zion et que tu recommandes à 1000%? Ou bien est-ce que c'était un test éclair comme ça parce qu'on sait pas comment t'as réussi Si, un test box. Un test box par exemple. Et t'es contente ou t'es pas contente? Est-ce que tu rachètes ou pas? Ok. Ok, et c'est sinon, parfait. Si tu rachètes pas, par quoi tu le remplaces? Ok. 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 Donc moi je vous ai sorti les produits par lesquels je remplace mes les produits terminés. Akilou non, hein. Non, évidemment, elle est pas. Je vous dirai. Par quoi je remplace? Si je remplace, parce que j'ai pas l'impression que je remplace beaucoup de choses. D'accord. Les enfants, on commence. Par quoi tu veux commencer, Akilou? Bon, on va commencer par les os. Les os du visage. Donc on dit qu'on est le matin et puis on sort du lit. Qu'est-ce que tu fais? Matin ou soir? Ah, moi je fais ça le matin. Bon, on va dire ok les os du visage. Petit Christian Lénard! Cette femme nous a ramené les stocks, hein! On sait comment ils font leur chiffre d'affaires! Bah, c'est ça! Donc l'eau de bleuet. Ok. De Christian Lénard. Que donc tu utilises sur tout le visage? Sur. Pas le visage, beaucoup les yeux. D'accord. Le matin. Ouais, la mienne fait un petit chutz comme ça pour décongestionner. Exactement. Donc voilà, comme vous voyez, Christian Lénard, Forever, je rachète. Là, c'est deuxième bouteille. Ça fait longtemps que j'ai pas racheté. Par contre, c'est toujours un peu fort. C'est fort, hein, le goût. Ouais. Ouais. J'en utilise pas beaucoup. Ouais, tu veux sentir? Ça sent fort quand même, ça sent un peu. Là. Non. Tu sens pas? Non. Tu devrais sentir. Cette femme enceinte qui sent rien, c'est grave. Donc voilà, et. Et donc tu remplaces par la même chose? Ah oui, je remplace par la même chose. Pardon, je remplace par la même chose, je reviens. En fait, c'est le plateau, il est là. Je sais pas comment on va s'en sortir. Et après, après, on reste sur de l'eau de rose. Donc là, j'avais testé celle de chez. Il y avait une promo. Leno. Eau de rose canon, ouais. Sinon celle que j'achète tout le temps, c'est la rose de Damas d'Aromazone. Ouais. Voilà, voilà. Petit format par contre. Hein. Non, oui j'achète en petit format parce que moi j'allais souffrir. D'accord. Donc je la vide dans un flacon avec un pchit. Et là c'était Melvita, une eau à la rose aussi. J'ai juste terminé donc je l'ai mis dedans. C'était pour dire que effectivement moi l'eau de rose forever. Et donc oui j'achète comme ça ou le modèle un peu au-dessus. Sauf que depuis qu'Aromazone a ouvert à Lille, le rayon de l'eau de rose de Damas est souvent vide. Ah, ça va faire un carton plein. C'est ça. Et j'en ai un nouveau que j'ai pas terminé, on en parlera peut-être un jour, on ne sait jamais. J'ai testé l'eau de verveine. Ah ouais? Ouais. Pour rafraîchir. Aromazone aussi? Aromazone. Ah, ça, c'est ça, tu vois, le sous des magasins, c'est que tu t'es promené dans les rayons et t'as eu envie de tester 15 minutes. Et c'est calme. Et un autre truc aussi, j'ai acheté un gel d'aloe vera pour les cheveux. Ouais. Bah c'est quand même. Ouais j'en avais déjà il y a quelques temps aussi. Voilà, donc voilà pour tes os. Bah je vais faire ça aussi Akilou. Alors avant j'utilisais ça. L'eau de beauté de chez Caudalie, c'est vraiment le. Alors ça peut s'utiliser de mille et une façons. Soit le matin pour réveiller ton visage avant d'appliquer tes soins, soit en terminaison du maquillage pour éviter l'effet un peu trop poudré, tu sais, du make-up. Ouais. Voilà, je l'ai beaucoup utilisée. Maintenant, bon, elle n'est pas complètement vide, mais ça fait très longtemps qu'elle est ouverte. Ouais, et c'est pas forcément top. J'ai dit stop it right now. Puis surtout, c'est plein d'alcool. Ah ouais. Et du coup, là, pendant la grossesse et tout, j'ai dit stop. Merci. Et je suis vraiment pas sûre de la réutiliser après. Donc voilà. Ça, je remplace pas vraiment. Hein. J'ai pas de produit de ce genre. J'ai l'Aqua Magnifica. Ah oui, mais ça, c'est quand même ça, forever and ever. On vous en parle depuis des années sur le blog. C'est donc Sanoflore qui fait ça, c'est une essence botanique perfectrice de peau, donc plutôt pour les peaux mixtes à grasse, à tendance à imperfection, machin. Mais c'est vrai que moi, dans une routine plutôt hydratante, machin, ça n'a jamais fait de dégâts particuliers, ça n'a pas rendu ma peau
enfin, plus à problème et tout, enfin j'ai jamais rencontré de sous-sail, donc voilà, je vous la conseille quand même, même si c'est pas fait pour mon type de peau. Tu l'as déjà testé toi? Bah, je crois que tu l'as ramené à la maison une fois que j'ai testé, ouais. J'avais bien... C'est bien pareil, hein, c'est un peu agressif quand même le matin, ouais. Mais bon, ça fait du bien aussi de temps en temps. Et là, j'ai remplacé en ce moment, ah qui ouf, en ce moment j'ai remplacé par l'eau florale de rose. Alors la marque c'est Terraya, et c'est l'e-shop Onatera qui me l'a envoyé. C'est un e-shop beauté bio, oui. Enfin pas beauté seulement, il y a des trucs aussi alimentaires, il y a des thés, des compléments alimentaires, enfin bref, plein de choses. Et donc moi j'ai reçu ça, évidemment. En fait, tu sais ce que je fais? Je fais les pchits le matin direct, ce qui ne m'arrivait jamais avant. C'est quand même ouf comment on grandit. Mais en fait, ouais. Non mais moi de toute façon je le vois, ma peau elle est différente. Ouais. Et c'est vrai que dans ce geste là, tu vois, tu réveilles aussi ton teint, je crois. Donc après j'essuie le surplus avec un coton réutilisable, et puis voilà, bah c'est ça. Ma peau est prête à recevoir les soins. Est-ce que c'est pas une bonne transition pour des petites crèmes, des sérums ou quoi? Est-ce que t'as quelque chose? Oui, si, j'ai quelques trucs. Allez. On va commencer. Hein. Par Regance. Forever and ever. Donc je le remplace pas. C'est quoi? C'est le gommage? C'est le gommage. Ah ouais, non, mais toi t'es partie direct dans les trucs. Les hebdomadaires. Non, mais c'est pas grave. Mais moi j'ai pas de. En fait j'en ai pas. T'as pas de crème de jour terminée? Non. Bah non, j'en ai pas. Vas-y avec tes gommages à kilo. Sorry. No suicide. Donc ça c'est un gommage Regance. Et puis j'avais eu la boue beauté aussi en Ah oui, dont t'avais parlé dans le box. J'avais parlé et qui était canon. Ouais. Ça je l'ai jamais racheté. Ça c'est le grand format. Ouais. Oui c'est le grand format. Donc ça je la rachète. Ouais. Moi j'ai aussi souvent testé le gommage Regance. Ça a la verveine. Et vraiment canon. C'est ça, ouais. Ça a la verveine quoi. C'est les petits grains et tout. Mais pas trop agressif. Très bien. Moi en gommage, qu'est-ce que j'ai à kilo? J'en ai deux. T'en as d'autres? J'ai un masque en fait réconfortant de Apicia. Ouais. Que t'avais eu aussi dans une box. Mais c'est bizarre, la marque du miel. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que j'ai pas de mémoire? Mais ouais, cette femme, mais c'est surtout parce que c'est une petite abeille. Pas du tout, je la vois pas d'ici. Je la vois pas. Donc oui, voilà, un masque. Oui, ça sent bon, ça sent comme la crème nuque en fait. Voilà, c'est tout pour moi. Remplacer, en fait, c'est pas de remplacement, c'est dès que j'en ai une en fait. Oui, je sais pas comment t'expliquer. Quand c'est vrai que ça, c'est des produits qu'on n'utilise pas forcément toutes les semaines, tous les mois, machin. Quand t'en as plus, t'en as plus. C'est ça. À couvrir les magasins. Exactement. Donc voilà. Moi, c'est pareil. À Kilo, j'ai deux gommages que j'ai terminés sous la douche. Alors, j'appelle ça gommage, mais c'est un masque rose granité de chez Akan. J'aime trop celui-là. J'avais fait une revue sur le blog. D'ailleurs, je vous le dis pas à chaque fois, mais pour tout ce qui existe, à mon avis, il y a vraiment un paquet, une listasse, les enfants, des revues concernées sur le blog. Je vous les mets en barre d'infos. Donc, Akan, canon, canon, canon. Ils disent que c'est un masque parce qu'effectivement, les grains sont vraiment minuscules. Mmh. Mais pour moi, pour ma peau sensible et réactive, vraiment canon. Et ça rend vraiment le teint plus éclatant. Donc, top, top, top. État pur, je connais pas. Gelée fondante exfoliante aux éclats de noyaux de prune. C'était vraiment canon, un poil plus... J'aurais kiffé. Ouais. Un poil plus agressif quand même. C'est pas agressif le terme, c'est dense, tu vois, au niveau des noyaux. C'est des plus gros morceaux, donc forcément tu le sens davantage. Là vraiment c'est rikiki, rikiki. Hein. Ça c'est pour vraiment les peaux sensibles. Et celui-là, moi je l'ai adoré aussi, hein, parce que comme je vous dis, j'en fais pas non plus tous les 4 matins. Et d'ailleurs, j'ai pas remplacé ces produits, puisqu'en ce moment, c'est pareil, j'ai pas de gommage. Ah, mais merde! Pardon, sorry, mais il en manque un. Il y a là le gommage, l'autre gommage, et c'est celui-là, je l'utilise encore parce que j'en ai deux. Ah oui, c'est vrai que t'avais lu chez Beautiful Box. Voilà, gommage régénérescent de Saison d'Eden. Ouais. Et il est canon. J'adore. Donc voilà, et c'est au noyau de mangue. Beurre de mangue. Ça, tu conseilles. Ça, je le conseille, hein. Saison d'Eden. Ouais. Ça, c'est pour ça que je viens de m'en souvenir. Mais pourquoi il était caché derrière? Ah, t'as matrié le kilo, hein, cette femme. C'est ça. Moi, en masque, j'ai terminé le masque de nuit merveilleux. Sanoflore aussi. On vous en a parlé plein de fois sur le blog. Franchement, ça, c'est un incontournable. Moi, ce que j'aime le plus dans les masques, c'est les trucs que tu laisses poser toute la night et t'as pas besoin de t'en soucier, tu sais. Celui-là, il fait vraiment une peau de bébé quand tu te réveilles. J'ai l'impression que ça soigne tous les maux, tu sais. Mmh. C'est un peu un produit à tout faire. Alors, eux, ils disent raffermis, restaure l'éclat. Parfum améliorant le sommeil, c'est vrai aussi que c'est hyper cocooning. Cocooning, ouais. Enfin bref, vraiment un super produit. Par quoi j'ai remplacé ça? En ce moment, si j'ai besoin de shot, tu sais, d'hydratation, je sens que j'ai la peau un peu fatiguée. Donc j'ai un masque du docteur Pierre Rico, masque express hydra ride, hydra repulpant. Enfin bref, c'est vraiment un truc. Il existe vraiment, Pierrot? Ah, je sais pas, cet homme. Je voulais te chercher. Voilà, je le trouve bien, sauf que c'est un masque à rincer que tu laisses pas poser toute la night, quoi. Moi, je les rince tout le temps. Je sais, toi, t'aimes pas ah, les. Ouais. Moi, je déteste garder un truc comme ça. J'aime bien.
avoir une couche comme as et tout. Donc voilà, celui-là je vous le conseille aussi si vous avez besoin d'un peu de boost, tu vois, d'hydratation dans votre routine. Est-ce que t'as des démaquillants à Kilou? Oui. Plusieurs. Plusieurs, vas-y, je te laisse commencer. Alors, un produit qu'on avait eu, et ça, j'ai trop kiffé, sa mère. Je m'en souviens bien sûr. Mawena Rose Papaye. Ouais. Trésor du monde, baume de gel nettoyant. J'ai tellement aimé la sensation, l'odeur, tout. Enfin, voilà le côté lacté après quand l'eau elle. C'était un baume qui se transformait quand tu le rinçais. Voilà, c'est ça. Et ça, ça a été. Donc ça, efficace pour le démaquillage. Mais grave, tellement. Et puis après, moi je mets beaucoup de noir. Hein. Ouais. Donc après, je repassais un petit coton juste pour enlever le reste. Mais parfait. Avec. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, c'est pareil, dans une box. Ouais. Vous voyez, j'utilise bien les produits de la box. Ah, écoute. Un biphasé 2 en 1, démaquillant et soin de nuit. Ouais, ça a fait le taf. C'est quoi cette marque? F Cosmétique. FG Cosmétique. Voilà. Bon, c'était bien, mais pas, ça casse pas. Trois pattes à un canard, pas trop. Ça sentait bon, mais c'est tout. Ça a fait le taf comme il fallait faire le taf. D'accord. Est-ce que tu mets les eaux micellaires là-dedans aussi? Bah, moi j'en ai déjà parlé de mes eaux micellaires, donc vas-y. Hein, ouais. Ok, alors. Non, j'ai encore un autre démaquillant. Ça, c'est toi qui me l'as donné. Qu'est-ce que c'est? Bio Season, démaquillant biphasé waterproof. Que j'avais dû avoir dans une box belle au naturel. Ouais, c'est ça. Bah, calme. Bah, franchement, je ne mets pas de waterproof, mais c'était vraiment top. En plus, il y avait l'eau de bleuet dedans. Donc, écoute, parfait. Parfait, parfait. Ensuite, un autre produit que tu m'avais donné. Fournisseur officiel, c'est quoi. Clair. Bah, l'eau thermale de Jonzac. Ça, c'est vraiment un produit à grosse renommée. Hein. Ouais, bah, canon. Moi, les eaux micellaires, j'adore. T'aimes bien pour le démaquillage. Ah ouais, j'adore. C'est vrai que c'est pratique quand même. On dira ce qu'on voudra, mais quand t'as la flemme, t'as pas besoin de mettre ton visage sous. Je viens de me rendre compte que c'était une nouvelle lunette. Oui, pourquoi? Bah, je savais pas que t'avais eu tes nouvelles lunettes. Ah, Kilou, ça fait 2 mois. Mais j'ai pas fait attention. Ah, tu me regardes plus. Cette femme. Sorry. Ah non, mais tu me l'as même pas dit que c'était tes nouvelles lunettes. Ça fait longtemps que je les avais. C'est toi, tu m'as pas dit. Tu me l'as pas dit. Non. Si, parce que je les ai eu juste avant de partir en vacances, la veille. Bah, t'es pas partie. Bon, après, on s'est pas vu. On s'est pas vu, oui. On s'est pas vu depuis octobre, mais quand même, on est fin novembre. Bon. Mais c'est vrai que ça me fait un peu de buée, hein, donc vous inquiétez pas si de temps en temps vous me voyez plus, ou peut-être que je vais les enlever, on verra au fur et à mesure. Mais oui. Donc voilà, donc Jonzac, allez-y. L'odeur, j'adore. Moi, les odeurs. Disponible en pharmacie, hein. Je le dis pas à chaque fois, mais oui. C'est vrai que c'est facile à se procurer, Jonzac. Ça c'était dans une box, bah, ouais, c'est un tonique. Ah bah non, ouais, c'est un tonique, mais. Ouais, tu l'as oublié tout à l'heure, c'est pas grave. Je l'ai oublié tout à l'heure, mais à l'eau de rose de Damas. Ouais. Sacré rose. C'est quoi la marque? C'est Algorescence, le tonique pour Damas Bio. Bah, je l'avais eu dans une box Beautiful Box. Ok. Voili, voilou. Et le dernier que je n'ai pas acheté, que j'avais reçu une fois, j'avais fait un truc pour Yves Rocher et tout. Ah oui, un test. Un test. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, c'était une eau micellaire, mais j'ai l'impression qu'elle me pique un peu. C'est bizarre, une eau micellaire qui pique. Ouais, c'est pas fait pour ça quoi. Voilà, c'est beau végétal, c'était la. C'est purifiant, hein. C'est marqué dessus. Peut-être que c'est ça, c'était trop fort pour toi. Ouais, peut-être. Voilà, trop fort pour moi, c'est gars trop fort pour toi. Mais bon, c'est tout, ça fait le taf, j'aimais bien l'odeur. Yves Rocher quoi. Ouais. Bon, ils essayent des trucs, c'est nice. Ils essayent des trucs, c'est nice. Je pense que tout est dit. Hein. Bah non, mais. S'il y a des gens qui s'y retrouvent dedans. Oui, bah certainement. Putain, hein. Temps, on s'y retrouvait bien chez toi. Bah oui, là, il joue quand même la carte du végétal. Oui. Voilà, c'est plus dans ce truc-là, quoi. Oui, il joue la carte, c'est ça. On ne date pas jusqu'au bout, à mon avis. Je sais pas, faudrait qu'on se renseigne. Non, je crois que c'est sûr. D'accord. C'est vraiment typiquement la marque qui fait du greenwashing à fond. Ok. Après, encore une fois, il y a des gens qui s'y retrouvent, hein, mais bon. D'accord. Passons à autre chose. Donc, mais moi j'ai 2 démaquillants si tu veux que j'enchaîne à Kilou. Bien sûr. J'ai l'eau démaquillante micellaire de la marque Garance. Bah oui, alors on en a parlé quand même pas mal ces dernières vidéos box. Celle-ci c'est à la fleur d'oranger. Amandine, vous inventez les mérites de ce truc-là et moi j'ai mis des années à la tester. Écoutez, je ne veux plus jamais m'en passer. C'est-à-dire que là. Mais de toute façon, Garance, c'est magique. Magique. Et en plus, franchement, j'étais un peu perplexe pour le petit capuchon. Tu sais, tu dois mettre ton coton et pousser. Ouais. Et c'est l'un des rares de ce type qui fonctionne vraiment quoi. L'odeur, hein. L'odeur confortante de la fleur d'oranger. Canon, 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 ça c'est vraiment un produit que je vais racheter, pas dans l'immédiat, mais que je garde en tête. C'est ce que j'aime aussi chez Garancia, c'est que, ok, c'est un certain prix quand même, mais ils se foutent pas de ta gueule pour les produits quand ils disent utiliser une noisette ou machin. Même moi, là, les petits trucs que j'ai dans les box,
Là, le dernier que j'ai eu, ça, mais j'adore. Et je pense que ça joue sur ma peau. Hein. Je pense que c'est ça. Je le sens. Et il était comme ça, en tout cas. Ouais. J'ai quand même fait plus d'un mois et demi à faire tous les jours le nettoyage. Donc je me dis, voilà, ça a un prix. Et puis, mais, ils sont aussi, à mon avis, vous en avez déjà parlé, mais ils sont aussi au taquet sur déjà les recharges. Ouais, ça, si tu veux le garder et racheter juste la recharge canon pour éviter 50 000 déchets. Mmh. Et puis sur les offres, je crois que tu peux ramener tes trucs et tout. Ou alors au bout de temps d'achat, t'as une promo ou je sais plus quoi. Enfin bref, je sais plus comment ça fonctionne, mais ils sont au taquet. Donc ça part pas à la poubelle. Hein. Non, ça c'est écrit un rechargez-moi. Ouais. Donc ça c'est canon. Et puis j'ai aussi terminé une lotion démaquillante. La marque c'est Lodaites. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais à peu près. Je l'avais eu dans la box Belle au naturel et les enfants, bah, fleur d'oranger encore. Puis en plus, comme ça, le. Ah là là, et puis moi je peux pas résister, hein. Moi j'adore, il y a des gens qui détestent ça. Je ne comprends pas. Il y en a plein qui détestent le. Alors même dans la pâtisserie, ça peut se comprendre, mais là en soin, c'est tellement t'as envie tout de suite de te mailler dedans quoi. Moi j'adore. Donc rien que pour ça, au niveau du démaquillage, c'est pas parfait. Hein. À nouveau, les eaux micellaires, chez moi c'est jamais parfait, mais c'est pratique et en plus ça sent bon. Et c'est une marque bio, la dernière, en tout cas, le Daites. Il est beau. Franchement, et puis aussi le packaging, on en parle pas assez, mais packaging canon. J'écoute Alexandre aller. J'ai un petit mal de dos. J'ai remplacé les enfants par un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute, la marque pour ma collection. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, en fait, je l'ai vu sur l'e-shop d'Octoly. Ouais. Et il me semble que c'est le produit dont toutes les nanas, genre Elsa Makeup, Sananas, machin. Oui, bon, on n'est pas sur le même credo. Mais elles en parlaient en mode c'est vraiment genre un démaquillant canon à tout petit prix. Genre Mixa, tu vois, en supermarché pour Marielle. Bah là c'était l'autre version à tester. Écoutez, je l'ai testé. Et alors ? Effectivement, en fait c'est biphasé, donc c'est bien plus efficace que ces deux trucs là. Bon voilà, ça fait le taf, c'est pas non plus le produit. C'est pas non plus le produit de l'année, mais j'étais contente de le tester et de savoir effectivement ce que ça valait. C'est encore une fois à l'eau florale de bleuet à qui vous. Elle est partout. Elle est très bonne pour les yeux, ouais. Voilà. C'est vrai que ça piquait pas et tout, c'est bien. Le petit flacon, par contre, tu vois que c'est vraiment. C'est pas le top du pont de hein, parce que ça se ferme pas bien et tout, faut faire attention. L'embarquer surtout pas en week-end, parce qu'à mon avis, ça se renverse partout. Voilà pour moi, Kilou. T'as des nettoyants? Un nettoyant. Allez, vas-y, parce que moi j'en ai pas. Ben, j'ai juste un nettoyant et je sais pas pourquoi j'avais ça chez moi. Un nettoyant Corinne de Farm. Cette femme. Un gel nettoyant moussant qui était très bien. Ouais. RAS, qu'est-ce que tu utilises en ce moment? Bah, c'est pour ça que j'ai que ça. Je me nettoie que avec des savons solides. Ah oui. Donc en fait, c'est pour ça que j'en ai pas, je pense. Ouais, et bon, au Brésil, j'ai pété un câble. J'ai un magasin de savon Ganados. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous a offert aussi. Mais une boutique, mais c'était plus magnifique pour moi que de rentrer chez Sephora. Mais pour moi, tu rentrais, t'avais des beaux savons, des parfums, des packaging. Des trucs qui te donnaient envie quoi. Ça te donnait envie, puis en plus c'était la plupart des savons, c'était des savons avec les fruits du Brésil. Ouais. Donc il y avait ça aussi. C'était artisanal. Voilà, c'est ça. Ils étaient fait à Sao Paulo, enfin on a essayé de discuter un petit peu. En portugais? Non, en anglais. Mais j'en ai aussi des exfoliants, des savons, donc c'est pour ça que je me disais, mais comment ça se fait que j'ai un nettoyant? C'est un truc qui traînait. Voilà. Et donc, je remplace par des savons solides en fait. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai pas grand chose parce que même vous verrez par la suite. Petit teasing. Bah ouais, mais en fait, j'ai pas de gel douche, j'ai pas de. Là, j'ai des shampoings que j'ai eu dans des box, mais il y a des trucs que j'ai pas parce que c'est que du solide. Je suis d'accord avec voilà. Bah ouais. Bon, moi je vais vous parler d'hydratation puisque j'ai plein de trucs. Hein. Je commence par le sérum. Alors, du coup, comme j'ai enlevé les lunettes à Kilo, va falloir que tu me dises. Oui, alors c'est La Roche-Posay. C'est celui à la vitamine C. Voilà, c'est ça. Pure vitamine C10, sérum rénovateur, éclat, anti-rides, antioxydant. Voilà. Trop de presse. La vraie, c'était écrit en anglais. Avec de l'eau thermale de La Roche-Posay. Ouais. Donc, c'est celui que j'ai utilisé cet été qui était vraiment canon pour booster l'éclat, pour booster un peu le bronzage, si je puis dire, parce que la vitamine C, ça joue aussi. À faire très attention avec le soleil et tout, à utiliser surtout le soir. En cette période, mais voilà, j'ai adoré ce produit là que je vous conseille fois 1000 et tous les produits à base de vitamine C. Hein, franchement, ça c'est mon kiff. Je le remplace en ce moment par toujours La Roche-Posay, le Lialu B5 sérum concentré anti-rides réparateur repulpant. Voilà, c'est vraiment encore une fois un truc hydratation en ce moment. Avec l'eau thermale de La Roche-Posay, cette fameuse. C'est vraiment ce que je cible à un max en ce moment parce que j'ai l'impression que j'ai la peau qui tire un peu plus, qui est plus fatiguée, le froid. Donc hydratation, et voilà.
voilà. D'ailleurs, en parlant d'hydratation, bah, j'ai pas mal utilisé de crème matin à Kilo. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Bah ouais, cette femme. J'ai 4 crèmes de jour, hein. Donc, je sais pas depuis combien de temps on n'a pas fait de vidéo. D'abord, chez Neutrogena, je vous en ai parlé sur le blog, j'ai reçu 2 produits. D'abord, le gel crème en peau, comme ça. J'ai adoré vraiment la texture. Neutrogena, c'est canon. La texture est très fraîche et tout. Sans même les mettre au frigo, hein, vraiment canon. Et ce format pompe, qui est plus un hydratant plus léger, hein, comment ils appellent ça? C'est Pierrico. Ah merde, c'est pas le même. Non, bah non, c'est Pierrico. Bah, dès qu'on enlève les lunettes, il n'y a plus personne. Hydraride, booster, ouais. Hydratation, repulpant, ride. Voilà, donc c'est un booster. Donc selon votre type de peau, ça suffira peut-être pas en crème de jour, mais moi c'était parfait aussi pour cet été. Et j'ai bien aimé, encore une fois, le côté frais, le côté hydratant. Sauf que le packaging pompe, je sais pas si vous vous rendez bien compte. Ça c'est tellement relou. Ça va jamais au bout et ça me rend dingo. De faire des trucs comme ça. Franchement, je peux pas valider ça. Sinon, chez Etat Pur, j'ai terminé leur crème de jour. Alors, comment ils appellent ça? Crème fondante hydratante, confort. Canon, parce que je sais plus si vous vous rappelez, Etat Pur, j'avais eu un call avec la marque il y a quelques mois, et donc on avait vraiment discuté de mes habitudes, mon type de peau, mes réactions et tout. Et donc ça, c'était vraiment la crème de jour parfaite. Pour moi, je l'ai utilisée plutôt en fin de printemps. Donc voilà, et puis j'ai toujours un must-have ici, de chez Clinique. Ça, c'est vraiment coup de cœur à chaque fois. J'ai fini le Moisture Surge Intense. Non, oui. Moisture. Oui, c'est la gamme Moisture Surge, okay. C'est la gamme hydratante de chez Clinique. Skin Fortifying, Hydrator, Gel. Ah bah oui, c'est écrit en dessous. Bah, ils peuvent pas le mettre en premier en français. Gel, crème. Clinique, c'est français, non? Je sais pas, je pense pas. Clinique, c'est pas français. Gel, crème, hydratant, fortifiant. Bon, voilà. Donc, vraiment, la gamme hydratante, comme je vous dis, c'était un peu le maître mot ces derniers temps. Et en ce moment, j'ai une petite crème bio que je vous conseille aussi. J'avais reçu dans la box Belle ou Naturelle. La marque, c'est Efiderm. Ouais, j'aime bien cette marque. Et la pompe, là, elle est vraiment canon parce que ça te sent une espèce de... Oh, comment je peux dire? Une crème veloutée. Ça fait pas du tout le même effet que celle-ci. Et je la trouve tellement agréable là, tu vois, pour la période un peu plus fraîche et tout. C'est agréable, quoi. C'est vraiment top. Donc je suis bien contente. Il n'y a pas d'odeur particulière, mais en même temps, c'est pas du tout ce que je recherche dans une crème de jour. Je veux vraiment un truc soft. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Clinique, parce qu'il n'y a jamais de parfum dans leurs produits. Donc voilà, pour les crèmes hydratantes. Et t'as oublié un truc, hein. Ah oui. Tu utilises aussi une huile qui a l'air trop canon. Attends. Parce que à la base, ce que j'ai terminé, c'est ça. Donc la marque, c'est Decléor. Ouais. Enfin, Decléor, je crois que ça se dit. Ouais. Et c'était un shot. Comment ça s'appelle? Attends, parce que là, avec le soleil. Aromescence Neroli Amara. Voilà. Sérum huile hydratante. Voilà, sérum huile hydratante à l'odeur de fleur d'oranger, enfin de Neroli. Est-ce que tout est dit? Donc tout petit packaging. Le prix qui va bien, mais c'est vraiment un moment pour toi, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, ce produit-là, c'est... Tu sais, tu prends le temps, quoi. Tu prends le temps, t'as tout un rituel de massage aussi à faire sur le visage, et après tu vas te coucher, t'es bien. Moi, j'utilisais pas ça en sérum avant une crème, hein. J'utilisais ça vraiment juste avec rien d'autre par-dessus, mais bon, je vous conseille si vous avez les moyens. Et en ce moment, je l'ai remplacé par l'huile de figue, de pépins de figue de Barbarie. Alors, les figues de Barbarie, j'en entends parler grâce à toi, avec le pchit-pchit pour, oui, pour les cheveux. Parce que moi, les figues de Barbarie, c'est toute mon enfance. En fait, mes grands-parents, les figues, c'est la vie. Et les figues de Barbarie, je sais pas si vous voyez, c'est les figues qu'on a dans les cactus. Tu vois pas? Non. En fait, elles ont des épines, donc faut faire attention quand tu les ouvres. Ouais. Je sais pas comment expliquer l'intérieur d'une figue, en fait, basique. Il y a des petits grains, oui, mais ils sont tout petits. Dans la figue de Barbarie, ça fait comme des gros grains de raisin. D'accord. Et c'est ça, en fait, le pépin dans le... Ah, mais bah, tu les manges, en fait, dans la figue de Barbarie. Ah, ok. Tu regarderas une image, je sais pas si vous connaissez... Ne commence pas à dire que je veux mettre l'image dans le montage. Tu peux, hein, non. Figue de Barbarie. Bon, bref, je suis très contente de tester ce produit-là, qui est vraiment, encore une fois, enveloppant... Bien nourrissant pour la night, pour moi, pour cette période hivernale, c'est parfait. La marque, c'est Revital. Revital. Puis c'est français, le petit drapeau qui va bien, et c'est bio aussi, c'est ça. Ouais, Écossaire, ouais. Bio. Vraiment une super marque. Hein, moi, j'en avais jamais entendu parler avant de recevoir le produit, et bien contente de ce petit truc-là. Ben, c'est nice, c'est voilà, ça. On a terminé avec tous ces produits. Ouais. Est-ce qu'on passe sous la douche? Oui, on peut passer sous la douche, c'est mon dernier truc, moi. Parce que là, t'as plus rien en visage. Non, en visage, j'ai plus rien. Toi, ouais. T'as des trucs encore? Non, en visage, c'est bon. Bon, bah alors, on peut passer sous la shower. Okay. Et j'ai 2 petits trucs pour après la shower. Ouais, 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 moi aussi. J'ai des choses maquillage, mais je vais vous les garder pour la prochaine fois, parce que sinon, on en a plus. On est là pour... All night long, all
On va commencer par un shampoing que j'ai eu dans... Donc pas de savon, t'as dit savon solide, donc du coup pas de traces. Ah bah j'ai pas de traces de savon solide. Moi j'ai le Lipicar, le gel lavant de chez La Roche-Posay, qui est quand même bien pratique pour la piscine. Oui, je vais bah pas oui, vous mentir. Bon, voilà, ce que j'utilise et ce que j'ai encore utilisé. Enfin voilà, j'ai le même... en backers. Et je m'en suis rendu compte à la piscine avec ma boîte et mon savon solide. On va pas faire ton sketch. Vas-y pour les shampoings. Et donc un petit shampoing fraîcheur estivale que j'avais eu dans une beautiful box. Ouais, certainement. Ouais, bah écoute, la marque pas... c'est quoi? Célia. Ok. Voilà, bon bah j'ai pas vu la différence, c'est un shampoing. On sent l'enthousiasme de ouf là. Bah parce que pour moi c'est un shampoing, ouais. C'est à laver et puis en plus moi derrière je mets des huiles donc je sais pas si... c'est pour moi c'est les huiles qui font le taf. Ouais. Bah, c'est comme moi les crèmes de jour, tu vois. Voilà. J'en ai plein et c'est pas ça qui joue sur ton type de peau. Et bah oui, c'est vraiment les sérums, les masques, les gommages, mais ouais, les shampoings, je suis d'accord avec ça. Et après, par contre, donc là, c'est un masque cocooning réparateur des mélanges. Ouais. De chez Epurevia. Pareil, dans une base, ça j'ai kiffé. Ouais. Mais tu sais quoi, moi, les masques cheveux, à chaque fois qu'il y a marqué des mélanges, c'est un coup de cœur. Je pense qu'avec nos boucles, ouais. Ça fait la diff. Tu sais, ça relâche un peu le truc. Il doit y avoir un truc dans le côté démêlant qui fait relâcher la boucle et qui marche et à tous les marche. Qui fait le cheveu léger, tu sais. Ouais, je sais pas, mais. Et un autre truc, mais ça, faut vraiment, mais vraiment que tout le monde ait cette huile chez. Voilà. C'est une huile. Ça sèche un petit peu. Hein. Ouais, de chez Aromazone. Ouais. Une huile pour les cheveux bouclés, en fait. Mais mes cheveux, ils ont jamais été aussi nice. C'est quoi comme une? Faudrait que je te donne le nom. Tu te donnes la référence. Parce que c'est la vidéo de demain. Hein. Bah, je te le donne tout à l'heure. Je le cherche, je t'envoie la capture écran. Je peux te donner la capture écran de la vidéo de demain. Au passage. Un jour, ma mère t'en fera manger. Oh, cette femme. Cette femme. Et puis, pareil, Luceta, encore un masque. Ça, c'est les Portugais. Hein. Tu te souviens? Luceta. On avait Brésiliens. On avait Daras pendant la vidéo box. Los Angeles. Oh, je suis déçue. T'es déçue. Mais c'était pareil, c'était nice. Moi, de toute façon, dès que c'est un masque pour les cheveux, oui, ça, je kiffe. C'est vrai que ça fait du bien tout de suite. Mais grave, franchement. Bah oui, et puis avec le cheveu bouclé, moi, j'ai en ce moment, j'utilise quoi? En ce moment, j'ai le masque de chez Aromazone, comme Amandine. D'accord. Non, mais bah, Aromazone a ouvert, sorry, je fais un câble entre mes huiles, mes os et tout, voilà. Bon. Au niveau des shampoings, j'en ai deux. Un que je vous conseille un moyen, enfin, en tout cas. Le problème qui s'est avéré, c'est que je l'ai utilisé avec un après-shampoing trop nourrissant. Et du coup, les deux ensemble, bah, ça rendait mon cheveu un petit peu trop lourd. Donc, sinon, la gamme, c'est Dercos, la gamme Dercos de chez Vichy, qui est vraiment top pour les cheveux. Pour les cheveux, tout court. Et là, c'était un shampoing qui était censé donner du volume, non? Épaississant, je crois qu'il disait. Alors, cheveux affinés et affaiblis. Shampoing épaisseur. Ouais, donc c'est pour ça que j'avais craqué, c'est que vraiment, moi, vous le savez, les cheveux fins. C'est hyper compliqué à gérer et j'ai pas trouvé forcément une grosse. Enfin, j'ai pas trouvé que c'était canon. Peut-être parce que je l'ai utilisé avec le Moisturing Conditioner, donc l'après-shampoing hydratant de Sacha Juan. Vraiment, ça, c'est des produits que j'ai adoré et que je trouve pour les cheveux bouclés canon. Mais le combo des deux, bof. Donc, si je dois en éliminer un. Sorry, Michi. Par contre, la gros coup de cœur à qui? Bah oui, mais c'est la même marque que le Pchit. Ouais. Et bah le Pchit, je l'ai terminé. Bah moi, non, mais je le montre. Ah, après. Voilà. T'inquiète pas. Le soin lavant de chez Chaëri. Une marque, on l'a connue dans la Birchbox ou dans la Beauty? Non, mais même pas. C'est toi quand tu me l'as donné. Ah, dans une box belle au naturel. Ouais. Et derrière, j'ai eu l'occasion de recevoir le shampoing aussi. Et donc, j'ai découvert un peu plus la marque. Et les enfants. Je pense que si vous avez des boucles, c'est vraiment là-dessus qu'il faut partir. C'est une marque qui est spécialiste des cheveux bouclés et ça fait la diff tout de suite parce que, comme je vous dis, ça rend les cheveux légers, ça rend les boucles plus jolies, plus définies, plus lâches un petit peu. Enfin, vraiment gros coup de cœur pour ce truc-là. Enfin, en ce moment, j'ai un autre truc de chez Vichy, toujours la gamme Dercos, c'est Nutri Protein. C'est encore un shampoing nourrissant qui est bien, hein, mais peut-être un peu trop nourrissant pour moi encore une fois. Et puis là, j'ai l'autre après-shampoing chez Sacha Juan, sauf que là, c'est plus un masque plutôt qu'un après-shampoing. Il s'appelle Curl Treatment. Canon pour les boucles aussi, je l'ai bientôt terminé. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait à qui vous les huiles après Bah moi, il me reste deux petits trucs. Pour les cheveux? Pour les cheveux. Ok, vas-y. Ça, c'était pareil dans une box, une huile de chez Maro. Ouais, Marocanel. Ouais. Pour tous les types de cheveux, ça a fait le taf. Ouais. Mais ils sont très réputés, si tu fais pas attention au compost, ce qui n'est pas ton cas. Échantillon, vente au détail interdite. Merci Birchbox. Super.
Non, mais c'est quand même... C'est un sketch. Ouais. Coco et Eve. Ouais. C'est une marque californienne aussi, ça, non? En tout cas, le packaging le laisse entendre. Ouais. Et c'était bien, c'était un soin sur les cheveux. Une crème sur les cheveux. Moi, j'aime pas trop les crèmes. Ah ouais? Moi, ça va. Je préfère les huiles quand même. Oui, bah moi, de toute façon, je préfère les huiles. Après, quand je les utilise. Oui, bah moi, c'est pareil. Ça. C'est aussi pour ça. Que... Mais genre, moi, je mets plein de. Un jour, on fera une vidéo sur mes vaches. Oui, mais c'est sur ma liste, ça. Ah, d'accord, ok. Peut-être janvier, février, parce que là, décembre, j'ai déjà besoin de toi pour autre chose. Ah, ok. En plus de la vache. Enfin, de rien, envie de toi. Ah, bah écoute, nous n'allons pas le soir. Moi j'ai terminé l'huile, mais celle-là, Akilou, franchement j'ai tellement kiffé. Ah ouais? De chez Pierrot. De toute façon, c'est Pierrot. Pierre Ricos. Non, Pierrot, c'est rapport qualité-price. Allez-y. Ouais. Franchement, j'ai testé pas mal de choses de chez eux. Et ça, c'est l'un des produits qui reste au top du pompon pour moi. C'est donc une huile sublimatrice cheveux. Enfin, bref, un truc classique. Mais je trouve qu'en période estivale, ça renforce un petit peu la fibre capillaire et ça la protège des rayons UV, machin. Vraiment, gros coup de cœur pour ce produit-là. En plus, la texture huile, comme je vous disais, canon. Et donc, que j'ai remplacé en ce moment. Que j'ai terminé. Comment ils appellent ça? Le soin quotidien. À l'huile de figue de Barbarie. De chez Chagrifig. C'est effectivement une crème ou un lait. Mais comme il y a le pchit, ça sort et c'est plus léger sur le cheveu. Moi, je le mets direct comme ça. Ah ouais, non, mais bon. Moi, je peux pas faire ça avec mes cheveux fins. Ouais. Donc, j'en mets quand même 10 pompes. Hein. Ouais. Dans le creux de ma main, parce que c'est vraiment... Ça m'a duré longtemps. Ouais. Parce que ça fait plus de 6 mois, je crois. C'est des toutes petites quantités qui sortent. Et du coup, vraiment, pour l'instant, je l'aime beaucoup. Je l'aime un petit peu moins quand même que le côté huileux, ce truc-là. Sur moi, ça fait moins... C'est moins waouh, on va dire. Mais c'est vraiment un produit que je vous conseille et puis une très belle marque encore une fois. T'as fini Akilou ? Mais bien sûr. Je vais terminer rapidement parce qu'on s'en parle pas, je vais pas vous faire une vidéo spéciale sur le sujet. Mais j'ai terminé l'huile d'amande douce de chez Revalescence, qui est une marque bio, Made in France, tout ça. Enfin bref, la marque qui va bien, dont je vous parle très souvent sur le blog. Je l'ai terminé évidemment sur le bidou pour les vergetures, même si, je vais pas vous mentir, on part déjà avant grossesse avec un ventre qui est déjà zébré. Donc c'est pas non plus ma priorité number one dans cette grossesse de faire attention à mes vergetures. Mais comme j'avais ça dans mes placards, bon bah voilà. Puis c'est surtout le côté massant que j'aime bien, si Loulou il peut participer et tout, ça fait un petit moment sympa à deux. En ça je prends le temps et je l'ai remplacé par la marque de Cléor, encore une fois. C'est l'huile Sika Botanique, c'est ça. Spéciale vergeture aussi, que vraiment je découvre à peine. Mais je la trouve sympathique et puis je sais pas si ça marche. Mes enfants, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Moi j'en ai déjà, donc ça va évidemment pas éliminer celles qui sont... Je pense que c'est peut-être juste éviter que ça craque. Ouais, puis même juste pour hydrater en fait, tout simplement. J'en ai pas de nouvelles de vergetures, mais en même temps il y a déjà de quoi faire. Et effectivement, celles que j'ai sont tellement anciennes qu'on peut plus rien y faire. Donc voilà, je voulais juste vous en parler parce que j'en parlerai pas dans mes vidéos grossesses et tout. Ça n'est pas un sujet que j'ai envie d'aborder. Je termine par ça, Akilou. J'allais dire j'ai terminé, mais non, j'ai pas vraiment terminé la bougie My Jolly Candle, mais... T'as eu le cadeau! Et Akilou, depuis plusieurs mois que je reçois les bougies, c'est la première fois où j'atteins le sketch. Parce que bah, je vous ai expliqué pendant la grossesse, pour moi c'est un peu compliqué de faire cramer des bougies. Donc j'en fais cramer en bas quand je suis en haut et inversement. Donc bah, là on va découvrir ensemble le sketch. Bah écoute, filme-moi un coup de main. Mets-toi toute la cire sur toi. Et tu savais ce que c'était? Bah non. Ça va être la surprise. Par contre, elle sent bon cette bougie. Oui, c'était la version fleur d'oranger. Ah bah bon, forcément. C'est évidemment la première que j'ai fait fondre. C'est nice. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des boucles d'oreilles, des petits anneaux. Argentés? Ouais. Pour l'occasion, je ressors les lunettes. Elles sont vraiment belles. Hein. C'est chouette. C'est chouette. Ça fait un petit diams. Ouais. Allez, on déconne, ouais. Tout en discrétion. Bon, c'est chouette. Ce que je voulais vous dire, c'est que je la remplace pas, mais j'ai reçu la version de novembre. Et c'est ce que c'est dedans? En fait, là, je sais parce que c'est dans le cadre du blog et tout, et que du coup, je choisis. Ok. Mais je vais pas te le dire parce que je te l'offre. L'odeur, c'est le sapin d'hiver. Cette femme! Et voilà, nice. Bah, écoute, moi j'en ai tellement, et puis que voilà. Oh là là. Donc en tout cas, tu vas avoir un petit bijou à découvrir. Bah, merci, Chacha, c'est trop nice! Avec plaisir, écoute, franchement, ça me fait plaisir. Je vous dirai ce que j'ai. Une petite odeur de j'adore, j'arrête. Merci. Ouais, c'est chouette. Hein. Bah merci. Tu nous raconteras ce que t'as eu. Bah grave. Et c'est là-dessus qu'on va terminer, les enfants. Il me reste quelques petits trucs, mais je vous les garde pour une prochaine vidéo. Produit terminé, parce que là, combien de temps? Oh, pas beaucoup. On avait dit une heure et on est pas mal. Hein. Par contre, il va falloir faire tous les zooms de. C'est ça. Je vais me faire un café pendant que je fais. On vous embrasse, les enfants. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo avec nous. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour la fameuse vidéo.
qui sera peut-être ricrac, on sera peut-être en décembre. Hein. Tu prends la semaine prochaine. Bah oui, parce que c'est vendredi 29, samedi 30. Ah, tu la mets dimanche. Je pense que je la mettrai dimanche. Bah c'est pas grave. Vous savez tout du programme qui nous attend. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Salut. Oh mama, pero la fama, estás conmigo.